Réunis le 11 août à Ouagadougou, les acteurs du projet du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton Sénatac ont passé en revue l'état d'évolution du projet. Cette rencontre a permis de valider le rapport d'activité de l'année 2022 et d'envisager des perspectives pour 2023. Il est fait obligation à tous les projets et programmes de tenir ce genre de session. Donc il a été question pour cette session du comité de revue de valider le rapport 2022. Et de prendre la pleine mesure des états d'avancement des activités programmées en 2023, et notamment les recadrer. Quelques points positifs ont été relevés dans la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit de la sélection de femmes et de jeunes filles ayant bénéficié de formations techniques et managériales. Les bénéficiaires du projet ont été sélectionnés dans toutes les régions du pays et qui aujourd'hui ont pu bénéficier de formations techniques aussi bien managériales. Tout cela est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. C'est beaucoup les femmes intervenant dans le tissage, mais c'est aussi des jeunes filles qui de plus en plus s'intéressent à la question de la couture et aussi du tissage. Des difficultés ont été soulignées dans la mise en œuvre du projet. Il s'agit notamment du retard dans la construction du Sénatac. Le cœur du projet consiste à construire un centre. Les participants estiment que jusqu'à présent, on n'a pas encore fait la pose de la première pierre. Mais en réalité, c'est un projet qui normalement devrait avoir toutes les études déjà prêtes avant qu'on parle même de la mise en œuvre du projet. Parce que rien que les études techniques, en tout cas relatives à la construction des bâtiments, ça nécessite beaucoup de travaux et ça nécessite beaucoup de délais d'approbation. Le financement de ce projet est rendu possible grâce au partenariat entre le gouvernement burkinabé et l'Agence italienne pour la coopération au développement. Ce projet est un projet bien sûr très important pour nous. Nous réservons beaucoup d'attention à l'exécution du projet et c'est pour ça qu'on considère très important d'accompagner notre partenaire, donc la DGA, dans l'exécution et la reprogrammation éventuelle des activités si nécessaire. On va continuer notre accompagnement. Le projet a enregistré notamment dans l'année 2022 des progrès, des avancements remarquables. Et donc on estime, et bien sûr on est confiant qu'à partir de là, le projet va encore plus entrer dans le vif des activités. Et donc pouvoir apporter des bénéfices aux bénéficiaires et aux artisans burkinabés. Les participants présents à cette session ont salué la tenue de cette rencontre et formulé des recommandations pour un aboutissement du projet. Le projet Sénatac, c'est un projet qui vient à point nommé parce qu'au vu des résultats qui sont attendus, je pense que ça va venir un peu booster cette partie de l'artisanat qui est la transformation du textile artisanal qui occupe beaucoup de personnes, beaucoup de Burkinabés et qui fait vivre beaucoup de Burkinabés. La principale recommandation, c'est que l'unité de gestion, en tout cas, continue, en tout cas, dans les efforts qu'ils ont fournis depuis le début de l'exécution du projet, pour qu'à terme, c'est-à-dire en 2024, qu'on ait un centre construit, équipé et entièrement fonctionnel. Lancé en 2018, le projet Sénatac devrait contribuer à améliorer les revenus des acteurs de la filière textile, d'où la construction et l'équipement d'un centre de transformation.